Je vous présente aujourd'hui notre 438e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, un sommet a été tenu à Paris ces jours-ci quant à la question du Proche-Orient, éternel problème, Palestine occupée, colons israéliens. Quelle solution envisager selon vous ? Écoutez, c'est bien difficile. Il s'agit là tout à fait évidemment d'une guerre de 100 ans. La présence de l'État israélien en plein cœur du monde arabe et la volonté persistante des gouvernements israéliens de pousser en avant les colonies, la colonisation d'une partie de la Cisjordanie, entretient un climat d'hostilité durable et probablement incontournable. La conférence qui a été lancée par M. Hollande ne semble pas avoir recueilli l'adhésion des gens les plus importants de la négociation, puisque M. Netanyahou lui-même l'a méprisé en quelque sorte ouvertement. Donc c'est un des gestes diplomatiques que l'on accomplit comme ça de temps en temps pour conjurer le sort. Mais à la vérité, tant que la politique de colonisation sera maintenue, tant qu'on ne trouvera pas un accord sur une frontière entre les deux États, entre un État palestinien enfin reconnu comme tel et l'État israélien, il y aura une guerre qui s'envenime à partir de Gaza, etc., des représailles très violentes quelquefois, et par conséquent, nous ne sommes pas dans cette affaire. Il y a là un abcès qui n'est pas prêt, à mon avis, d'être soigné. Et donc c'est un nid de terrorisme. Oui, bien sûr, ça entretient un climat de violence et d'hostilité permanente dans l'ensemble du monde arabe et même musulman, il faut dire. Bien, je vous remercie. Les nouvelles médiatisations des naufragés migrants mettent en scène un bébé dans les bras d'un pompier qui n'a pu être réanimé. Est-ce la continuation de la manipulation ? Oui, bien sûr. On avait déjà vu ça avec le corps d'un enfant sur une plage turque, etc. Ça, c'est on l'appelle à la sentimentalité. Bien sûr, tout ça est affreux. Sur le plan de la sensibilité, on peut être touché, mais il y a là certainement des manipulations de l'opinion qui sont créées au bénéfice de telle ou telle cause, en l'occurrence au bénéfice de la migration qui est soutenue, il faut le dire, par un certain nombre d'organisations et de pays, à commencer probablement par la Turquie, qui joue un rôle assez équivoque dans ce conflit, dans cette affaire. L'armée française se prépare à une nouvelle intervention en Libye. Quel est votre avis ? Écoutez, première nouvelle, je ne savais pas que l'armée française se préparait à recommencer l'erreur qu'elle avait commise déjà en intervenant sous Monsieur Sarkozy et Juppé. Mm-hmm. J'ai encore une fois dans l'oreille les sanglots de Monsieur Juppé pour essayer de sauver les djihadistes, les extrémistes qui se trouvaient à Benghazi, n'est-ce pas, et qui étaient attaqués par les blindés de Kadhafi et qui ont été détruits par l'aviation française. La France a joué un rôle tout à fait négatif dans ce conflit. Elle a contribué, sans doute en accord avec les Américains et les Anglais, à semer le trouble dans ce pays qui est actuellement la proie de l'anarchie, du désordre, de la violence, de la mort. Et alors si on a l'intention, ce que j'ignorais, de recommencer, je ne vois pas très bien en quoi l'armée française déjà impliquée dans un certain nombre de conflits sur ce continent pourrait résoudre le problème et dans quelle direction, je ne vois vraiment pas. Et alors la primaire des Républicains, Barouin annonce qu'il soutient Sarkozy, estimant que depuis la disgrâce de Patrick Buisson, plus rien ne le sépare désormais de l'ancien président. Qu'en pensez-vous ? Je pense que M. Barouin, qui est président de la Fédération des maires, cherchait un prétexte. Alors il a pris le prétexte de Buisson, oui, pourquoi pas. Mais en l'occurrence, je pense que Sarkozy va mener sa campagne de primaire d'une façon méthodique et il va sans doute obtenir un soutien assez massif
dans le, chez les Républicains, et je crois que ce sera lui le candidat, il me semble. Ah, donc il a ses chances. Ah, je trouve tout à fait, bien sûr. Je pense que c'est lui qui a le plus de chances. Bien. Alors, Laurent Ruquier a reçu Florian Philippot dans son talk show du samedi soir. Avez-vous vu l'émission et qu'en avez-vous pensé, Président ? Ah, j'ai en effet vu l'émission. À part peut-être Madame Salamé et Monsieur Moïx, mais donc sur lesquels je vais revenir, l'émission était plutôt complaisante. Et d'ailleurs, Ruquier a dit, mais nous avons été obligés de la faire à la demande du CSA, mais ce que j'appelle la fachosphère, ce qu'il appelle la fachosphère, a prétendu que c'était par sympathie communautariste que je vous avais invité. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Mais dans le fond, M. Philippot a campé un personnage de gauche, assez nettement, qui n'est pas, à mon avis, représentatif de la volonté de la majorité des adhérents du Front National, mais qui tient au poste qu'il occupe, puisqu'il est vice-président, et qu'il est, semble-t-il, généralement délégué sur les médias. Par conséquent, en politique, il ne paraît que c'est pas existe ce qui paraît exister. Donc les gens peuvent être tentés de penser que c'est M. Philippot qui interprète la ligne du Front National. C'est une ligne qui, selon moi, va dans le mur. Bon. Alors, quant aux interventions, Mme Salamé a été assez pugnace à l'égard de M. Philippot, mais il y en a un qui a été pugnace et odieux. C'est un plumitif relativement obscur, mais qui bénéficie d'une promotion télévisuelle grâce à M. Ruquier, c'est un certain Moïx. Ce Moïx est allé ressortir pour attaquer Marine Le Pen à propos de Mendès France, un discours prononcé à l'Assemblée nationale, une formule il y a 60 ans, qui n'avait d'ailleurs rien d'outrageant, puisque je m'en prenais en quelque sorte à l'esthétique un petit peu de M. Mendès, en disant il n'y a pas que ses idées, il y a aussi son personnage. Ben voilà, et alors évidemment, ceux qui ont l'antisémitisme dans la tête comme profession, ils voient toujours, on voit toujours vous parler de quoi que ce soit, et c'est en rapport avec l'antisémitisme, bien sûr. Oui. C'est le cas de M. Moïx qui, s'il ne l'est pas, veut le faire croire et s'en faire bien voir, en tout cas. Et puis, une autre chose aussi, il a prétendu que, j'avais menacé physiquement ma défense, ce qui est tout à fait faux, mais là, ça prouve tout de même qu'on peut être un plumitif et ne pas connaître les éléments du problème, ou ne pas donner la peine de les rechercher. Plusieurs régions ont été frappées par les inondations, et le sont toujours d'ailleurs. Pensez-vous que la protection civile soit à la hauteur et considérer sérieusement le problème? Écoutez, sans être un expert, j'ai quand même dans ce domaine une expérience, car je vous rappelle qu'en 1953, en janvier 1953, j'avais amené en Hollande, dont le tiers du pays était sous les eaux, un commando de 40 étudiants qui est resté pendant deux semaines sur les digues hollandaises, dans une ambiance absolument catastrophique de ce pays qui pourtant peut s'attendre à des dommages dans ce domaine, puisqu'une grande partie de son territoire est inférieure au niveau de la mer. Mais il y a des catastrophes qui sont prévisibles. Il y en a une qui s'est produite, vous savez, en Vendée, oui, dont d'ailleurs a été rendu responsable le maire, alors que moi je pense que c'est le préfet qui était responsable de l'évacuation et qui n'a pas prévu que la conjonction d'un certain nombre de phénomènes météorologiques, grandes marées, tempêtes et inondations, allait se traduire de façon catastrophique. Bon, je pense que l'on est passé très près de catastrophe. Ça fait partie de ces fureurs de la nature qui ne sont pas toujours contrôlables. Et ça va coûter sans doute quelques milliards aux assurés, parce que bien évidemment, les compagnies d'assurance vont répercuter ces versements sur les cotisations auxquelles nous sommes appelés les uns et les autres
à contribuer, si j'ose dire. Voilà. Le chiffre de 1 milliard d'euros a été avancé ce matin, justement. À mon avis, ce sera plus que ça. Plus que ça. Ah oui, je pense, oui. Je pense par l'étendue et les dégâts, la valeur des dégâts, non seulement en matière agricole, mais en matière immobilière en particulier, sans parler du coût économique qui, lui, ne se traduira pas par des versements, mais qui se traduit par des absences de rentrée, en quelque sorte. Hein. Des gens qui n'ont pas pu aller travailler, des gens qui sont immobilisés de façon assez durable. Tout ça peut être, évidemment, très, très coûteux. Mais, encore une fois, ça fait partie des risques de la vie. Alors, l'Euro de football débute dans une semaine. La menace terroriste est toujours à un niveau extrêmement élevé. Comment, selon vous, un gouvernement doit-il agir dans le risque de danger qui est le nôtre? Et que pensez-vous de ces espèces de fan zones? Je dois dire que je trouve assez étonnant cette volonté de rassembler des gens dans des fan zones, alors que ça peut constituer des cibles éventuelles, mais on ne peut pas vivre non plus en permanence sous la menace de l'action terroriste et être paralysé dans tous les domaines. Voilà, eh bien, on devra, dans les années, les mois qui viennent, assumer le risque d'attentats terroristes. Il faut, pour les réduire, attaquer à la base les formations terroristes par le renseignement, par les condamnations, par les mises à l'écart, en emprisonner au maximum. Et personnellement, je serais partisan, pour ceux qui ont du sang sur les mains, de la peine de mort et de l'élimination, qui a l'avantage de retirer du circuit des récidivistes possibles. Oui, alors il y a 10 jours, le centenaire de Verdun était fêté avec des gamins, des ados, courant sur les tombes de nos soldats, de nos anciens. Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, on a échappé déjà au concert de rap à Douaumont. Bon, et je dois dire que le spectacle de ces jeunes gens en tenue de sport courant à travers les tombes, j'ai bien compris quelle était la symbolique de ce geste politicien. C'était d'opposer à la mort la vie qui continuait, bien sûr. Mais il y avait quelque chose d'un peu choquant, et même de très choquant, dans cette démonstration qui n'est pas conforme à nos traditions de respect, en particulier à l'égard de ceux qui sont tombés pour la patrie. Je me permets de rappeler qu'à Douaumont, justement, est gravée la devise de Verdun: lutter, souffrir, mourir. Je pense que le recueillement était probablement l'attitude la plus convenable pour évoquer ces centaines de milliers de jeunes hommes tombés là dans un conflit que je ne cesse de regretter, hélas. Bon, alors aujourd'hui, puisque nous parlons donc de guerre et de commémoration, aujourd'hui est l'anniversaire du 6 juin, du débarquement du 6 juin 1944. Vous vouliez dire un petit mot? C'est-à-dire que ça va vous paraître étonnant, mais j'ai entendu le débarquement. Bien que je me trouvasse à ce moment-là dans le golfe du Morbihan, au collège, Saint-Louis de l'Orient, qui était réfugié dans cette île délicieuse de Berder, eh bien, dans le silence de la nuit, nous avons entendu vers 5 heures, je crois, un roulement continu. Nous sommes demandé si c'était d'abord un bombardement peut-être en vue de la direction de Rennes, car nous étions, je pense, à 300 km quand même. Mais dans le silence de la nuit, et dans un bâtiment qui était dont les pieds étaient dans l'eau, dans la mer. Est-ce que c'est ça qui était porteux de l'onde sonore? Alors, quoi qu'il en soit, ça a duré jusqu'au jour. Quand le jour s'est levé, les bruits de la vie ont masqué le bruit de fond, mais très bien, c'était bien le débarquement d'Arromanches du 6 juin. C'est celui que j'ai entendu étant jeune collégien
Donc ça me dit quelque chose, parce que j'y ai une toute petite participation auditive. Alors je sais que vous êtes toujours très intéressé par les manifestations sportives de tout ordre. Nous avions parlé du football et enfin Roland Garros vient de sacrer un chrétien serbe, Novak Djokovic, vainqueur cette année. N'est-ce pas un signe magnifique ? Mais je dois dire que d'abord, c'est vrai que je suis un petit peu un spectateur de spectacles sportifs parce que j'ai la chance d'avoir un grand écran de télévision. Ouais. Où je vois beaucoup mieux les manifestations sportives et les gestes sportifs que les gens qui sont dans les tribunes et qui ne voient que des petits bonshommes soit sur le terrain de foot, soit sur le terrain de tennis. Bon, j'ai en effet été très content de voir la victoire de Djokovic, malgré la résistance très sérieuse de Murray, dont je ne connais pas les convictions. Vous dites que c'est une grande victoire de la chrétienté. J'y vois un signe. Mais je l'accepte comme tel, après tout, pourquoi pas. C'est vrai que ce Serbe vainqueur était très sympathique, était un bel exemple de courage, de résistance, de talent. Voilà. On nous réjouit, mais nous allons être gâtés de ce côté-là, puisque nous allons avoir du football jusqu'à ad nauseam. Oui. Et puis nous allons ensuite avoir les Jeux Olympiques, bien sûr. Toutes ces manifestations ont pour, sinon pour but, au moins pour conséquence de détourner l'attention du peuple des problèmes qui se posent à lui. Après tout, pendant qu'il pense à ça, il ne pense pas à leur malheur. Bon. En effet. C'est d'ailleurs pour ça que c'est fait, vous savez, panem et circenses, hein. Du pain et des jeux. Alors, pour ce qui est des jeux, nous sommes gâtés. Merci. Alors, vous avez quelques lectures, Président, aujourd'hui ? Absolument. J'ai deux livres différents, très différents. D'abord, un livre de mon ancien camarade de la Légion étrangère parachutiste, le capitaine Bonelli. Le livre est écrit par une dame, ça s'appelle « L'arbre à papillons ». Et c'est un livre qui, sur la vie de cet officier de Légion étrangère qui s'est reconverti après la dissolution du régiment pour sa participation au putsch des généraux et s'est converti dans l'industrie et avec succès et qui est grand officier de la Légion d'honneur et qui évidemment cite toute une série de gens qu'il a connu et que j'ai connu aussi. Il ne me consacre pas beaucoup de place parce qu'en fait, quand j'étais au régiment, j'avais quitté mon siège au Palais Bourbon et j'ai pour participer d'abord au débarquement de Suez et ensuite à la bataille d'Alger, et bien justement, Bonelli n'était pas là. Alors évidemment, il ne peut pas en parler, mais à cette réserve près, il a un petit mot très sympathique à mon égard, une dédicace tout à fait amical. Alors un autre livre, Lionel de Marcy, qui s'appelle « Ma vie en noir et blanc ». Lionel de Marcy est un Martiniquais, fier de l'être, mais français jusqu'au bout des ongles. Et sa position est extrêmement intéressante. Elle est d'autant plus pour moi, qui le connais, qui l'estime, que je vous rappelle mon deuxième de liste aux élections il y a 60 ans, aux élections législatives où j'ai été élu, était martiniquais lui aussi, c'était Roger Sauvage, un capitaine de Normandie-Niemen. Par conséquent, ce petit livre qui vient de sortir tout chaud de l'impression, parce que je crois qu'il est de mai 2016. En effet. Donc, à quelques jours près, on l'aurait eu dans le mois. Ça peut dire que j'ai une vitesse de réaction. Je l'ai eu aussi parce que j'ai de la sympathie pour Lionel de Marcy, c'est pourquoi je suis heureux d'en parler aujourd'hui. Bien, alors je vous remercie infiniment, cher Président, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Au revoir.